Bonjour et bienvenue sur exalide-blog.com. Nous allons voir aujourd'hui une nouvelle option qui est apparue en date du 10 mai 2007, qui est donc la recherche par la vidéo, qui en est donc à sa version bêta. Nous allons faire une recherche sur Exalide, par exemple, puis lancer la recherche vidéo. Et là, nous voyons donc ce qui est nouveau depuis le 10 mai 2007, les vidéos que vous pouvez trier, ordonner, de la même façon que des images ou Wikipédia. Par exemple, on va faire un tri par le site plutôt dailymotion.com. Nous allons choisir des vidéos qui ont une durée entre 1 et 15 minutes. Juste pour information, en dessous, c'est un nuage de tags. Autrement dit, les mots, plus les mots vont être tapés, plus les mots vont être gros, apparaître en gros dans ce petit bloc. En bleu, ce sont les mots-clés, et en rouge, ou marron, selon comment vous le voyez, ce sont les rubriques. Revenons maintenant à ce qui nous intéresse, la vidéo. Donc, nous pouvons voir sur une recherche sur le mot Exalide que nous sommes plutôt bien placés, étant donné que nos vidéos apparaissent ici. Nous avions fait un dernier tutoriel vidéo nommé Utilisation favori dans Exalide, ou Présentation de la société Exalide, ou encore Ajouter un raccourci facilement, Comment avoir un marque-page, Recherche d'images et tout. Toutes ces vidéos sont des vidéos donc exclusives sur exalide-blog.com, et nous allons voir plus en détail le contenu du texte situé à droite de la petite vidéo. Nous avons donc le titre comme d'habitude, le descriptif, le nom du site sur lequel nous avons trouvé la vidéo. Ici en l'occurrence c'est dailymotion.com. Nous avons le nom de l'auteur de cette vidéo, le temps de celle-ci ainsi que la date. Donc on peut voir sur la vidéo nommée Utilisation favori dans Exalide, ceci étant le titre qui a été tapé dans dailymotion.com par l'auteur que vous voyez ici, d'une durée de 4 minutes 32 secondes, édité le 21 avril 2007. Avec en dessous, donc, comme d'habitude, le petit descriptif de cette vidéo. Ensuite, nous pouvons voir ce que l'on appelle les mots-clés et les rubriques. Là, sur cette vidéo, nous avions décidé de taper les mots-clés Exalide, blog, vidéo, tutoriel, tuto. Et nous avons placé cette vidéo dans une rubrique nommée People. De la même façon, vous pouvez voir ces mots-clés ou ces rubriques sur l'ensemble des vidéos de la page. Ils sont représentés aussi pour un intérêt proche du mot Exalide que nous avons tapé dans le moteur de recherche sur la droite de votre écran, comme dit précédemment. Nous pouvons de la même façon ajouter cette vidéo dans nos raccourcis. Et voir ces raccourcis. Voyons que la vidéo apparaît ici, sur la droite de votre écran. Nous allons la supprimer en cliquant très simplement sur la petite croix. Revenir à notre recherche sur le terme Exalide. Là, nous pouvons voir que je me suis trompé et que j'ai fait une recherche sur la partie web. On peut donc faire une recherche par exemple d'images, regarder, effectuer plutôt un tri sur des tailles moyennes. Nous pouvons voir une colorie jaune apparaître en haut avec le petit lien sur la droite pour supprimer. Tandis que si nous passons sur la nouvelle rubrique Exalide, que voici. Si nous affinons la recherche ou précisons la recherche, pour garder le terme employé sur le site,
nous pouvons voir que nous n'avons pas ce petit bouton supprimer qui a été modifié, changé, pour voir cette petite différence qui fait que lorsque vous passez votre souris sur le terme, comme dailymotion.com que j'ai choisi, vous pouvez voir un trait rayant le nom du site pour revenir à une recherche non triée. Dernière chose, vous pouvez voir ici en haut de page le terme trié par pertinence ou les plus récents, les mieux notés, les plus vus ou par durée. Nous allons essayer par exemple les plus récents et nous pouvons voir encore une vidéo disponible sur exalit-blog.com que nous avons réalisée le 6 mai 2007 nommée ajouter un raccourci facilement. Les petites étoiles ici concernent les notations qui ont été mises sur le site dailymotion.com à la vidéo sélectionnée. Merci de votre attention. À très bientôt sur exalide-blog.com.